Alors, nous revoilà à nouveau cette année pour la nouvelle édition de Radio Broc, ce que 2017. Ah, il est quelle heure? Ah, c'est pas encore l'heure. Et l'autre là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ça, il se prend pour un exposant, quoi. Alors, une antenne, deux antennes, trois antennes, quatre antennes, cinq antennes. On va peut-être pas compter l'antenne autoradio. Dedans, qu'est-ce qu'on a dedans? Ce bordel. Pascal, tu pourrais ranger un peu ta voiture. Alors, il est 8h25. Ça vaut 8h30 et c'est déjà pas mal bondé. Ah oui, l'appareil. Non, l'appareil. Je vais venir voir. Ça va être encore une bonne édition là cette année, oui. On achète des câbles pour monter comme ça, pour faire l'interconnexion. Bonjour monsieur. Salut chef. Alors quand c'est que tu passes ta licence? Salut toi. Quand c'est que tu passes ta licence? Ah ben quand je serai à la retraite. J'aurai plus de temps libre. Ah voilà. Voilà, ouais, monsieur. Et ça, c'est les moteurs, les potentiels. Tu veux du sucre? Oui, j'aime bien le sucre, mais bon. Voilà, nous venons d'avoir le président. Là, je viens d'avoir le président du REF. On va faire un petit tour un peu de tous les stands, voir un peu ce qu'il y a. Évidemment ici, le grand absent, Radio M33, ben oui, qui a fermé boutique, hein. Leur stand était là. Ah. Comment ça marche le truc? Oui Daniel. Attention Daniel. Il est où? Y a-t-il du monde? Bonjour. Oui, les 73 Daniel. C'est pour moi qui m'entend pas, quoi. Comme quoi le PMR c'est vraiment pas le top, hein. Ah chi. Comment tu vas? Ouais, salut. Tu manges avec nous, je te dis? Bah oui, monsieur. Impeccable. Ah oui, monsieur. Ouais, je suis en train de filmer. Et là, dès arriver. Bah tiens, t'as la voix des ondes là-bas, là. Dès arrivé, j'ai commencé à dire bonjour là, au président du REF. Tu sais, t'en es bien commencé. D'accord. Ouais, il est quelque part là, en balade. Oh, bah,
Bonne journée. Ça marche. Salut, comment tu vas? Hey, salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Il faut. Ouais. Faut profiter. Ah, il est sympa ce micro. Ah ça oui. Ok, pour un café. Voilà. C'est doux. Ah oh, d'accord, il a reconnu la voix des ongles. Mais je reconnais que c'est... Vas-y. Sur internet, c'est bien ce que vous faites. Ouais. C'est bien ce que vous faites. Merci. Mais disons que notre but, c'est de promouvoir la cellule et montrer que ça marche encore. Que ça marche encore. Qu'il y a des gens qui s'y intéressent encore. Et que nous, au contraire, on admire tous les radioamateurs et tout. Voilà, pour ce qui est le travail qui est fait. Je vous suis et c'est très bien. Ouais, merci, c'est sympa. Ouais Daniel, c'est toi que j'entends là en fréquence. Je passais devant avec... Il y a des matos, toi, c'est ça qui compte. Quelque chose à avouer, Pascal? Oui, il vient de dire qu'il me serrait les fesses. Bonjour à tous. Je prends une balance, je prends un machin, mais c'est vrai. Il n'y a personne derrière moi, mais non. D'accord. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la totale improvisation. C'était pas du tout calculé. À l'école des transmissions, ça, c'est une base à avoir dans la collection. Ça. Et le trier de ménage. T'as vu cette couleur, elle est rare. Oui, pas à l'entrée. Il a fait à combien? Il a fait à combien là-bas, celle-là? 90. 90? Ouais. Pas pour moi. 90 pas pour moi. L'autre à quoi? Merde. Un vieux Minitel. Bonjour, vous avez trouvé quoi comme poste? Le 3009. Un 3009 et un. Un grand entre 3009. Deux 3009. Ah, c'est sympa. 73 de Dalti 33. Je suis Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne. Ah oui, ça fait un petit peu de route quand même. Ouais, ah, hein. Oh, c'est sympa. Je continue ma balade. Il y a une base de Galaxy, la couleur or. Elle est jolie. J'avais la même à l'époque. Elle est jolie. Hein. Mais bon, quand je vais le trouver, ça m'a calmé. Ouais, là, c'est le plus. Ouais. Sinon, c'est vrai qu'elle fait envie. Hein. Galère.
Il est où Bernard? Il est où Bernard? Il est où Bernard? Ah oui! Non, je vois... Ah oui, ça y est! On va aller nous taper sur la tête. Alors, Bernard. Ah ben c'est, je perds nouveau. Papam. Ah, ça y est. Monsieur le Président, directeur général de la FFICB, ça va et toi? Alors, c'est la bise. Là-bas. Ah bon, oui, je la vois. Je fais le tour parce que je suis avec. Il y a eu une bonne propax ce matin, la voix des ondes était en présence. Ah. Ah oui, et c'est dans la boîte. Et j'étais, comment... C'est les copains qui m'ont donné... Ah oui, oui, je l'ai perdu. Il est devant. Ouais, ouais. C'est la première fois que tu viens ici, non? Oui, la première fois. Ouais. Avant l'ouverture, tu as vu, il y a déjà du monde comme ça. Quoi. Il y a du monde. Oui, il y a du monde, il y a du monde. Il y a de plus en plus. Oui, oui. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Non, c'est bon. L'eau a monté, la Gironde a monté. C'était la pleine mer. Une vague la nuit jusqu'ici. On a changé les idées. Ouais. Tu viens de perdre la tête. Salut Bernard. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Et on est à 30 cm. Non, 20 cm. 20 cm. Est-ce que un PMR porte plus loin que ça? Non, mais j'hallucine. Il a son taquet allumé. Attends, est-ce qu'il est allumé? Moi aussi. Non, mais je rêve. Attends. Ah bah s'il n'est pas en marche, ça va beaucoup moins bien marcher aussi, forcément. Quoi. Un peu trois. Canal 8? Ouais, 446 à 937,5. Ah, je sais pas, mais en tout cas. Si. 1-2. Ok. Non, ça marche pas. Ah, ben maintenant, si. Attends, vas-y, parle. 1-2. Ok. Moi, j'ai tapé la fréquence, j'ai les fréquences dans le. Ça fait bizarre de parler d'un truc comme ça. Ben. Quand on est habitué à la CB, on a. Ouais, mais toi, c'est directement, t'as les 8 canaux, toi, là-dessus. Et que j'ai programmé. D'accord. Moi, je les ai directement sur la fréquence. Ah ben, je suis pas la moitié d'un idiot, mais un idiot entier. Non, mais bon, moi, si tu veux, c'est carrément la fréquence que j'ai. Et, canal 8. Et en suivant, voilà. J'ai les LPD, mais bon, c'est surtout pour écouter quoi, les LPD. Hein. Ah oui, après, parce qu'il fait numérique, celui-là? Non, LPD, je crois que... Parce normal... que le LPD, c'est... Si je me trompe pas, c'est numérique. Non, tu as... T'as les fréquences, les fréquences... Tu as PMR, tu as DPMR. Oui. Et les DPMR, c'est numérique. Voilà. LPD, c'est encore autre chose. Ah, c'est encore autre chose. LPD, c'est 69 canaux qui sont sur les bandes radioamateurs en plus. Ah, d'accord. Et là, je crois que tu as droit qu'à 50 milliwatts de puissance. Ah, oui, je crois. Okay. C'est juste bon comme ça dans un bâtiment. Quoi. Et puis voilà. Quoi. Il est où le parc à nous? Bon, allez, je vais me dépêcher de faire mon tour avec la caméra, là, de voir un petit peu ce qu'il y a. Parce que le matériel part vite. Je sais plus d'en bas, je sais plus d'en tête. Ah oui, d'accord. Parce que quand je t'ai vu à un moment donné qu'on discutait là, oui. Je suis passé sous un tunnel, je sais pas pourquoi, tu sais, j'allais chercher un. Je sais pas pourquoi t'es parti sur un tunnel. Voilà, et cassé net. Aïe. Et comme c'est une DV, j'ai pas la. Voilà, donc il faut que je me retrouve une en base. Aïe. En tout cas, il n'y a pas mal de métal CB. Ouais, j'ai croisé quelques personnes et tout avec des postes sous le bras. Ouais, je veux dire, déjà que là, t'as une base. Putain, la vache. Wow. Ah oui. Elle est rare, celle-là. 90. La marque, est-ce qu'elle est dure, la marque? 90 euros.
Ah, mais ça tombe bien, tu vas pouvoir me... J'ai laissé l'hôtel en moi. J'ai pris dans la campagne. Non, quand mais vous voulez pas passer sur le tour. Ben, je sais bien, non, mais attends. J'ai cherché le restaurant, putain, parce que là, j'étais dans mes... Vous pouvez me baisser. Tiens, en fait, tiens, pour la fête. Voilà, mon de consommer. Ah, c'est merci, c'est gentil. Au revoir. Merci. Encore ? Oui, oui, encore et encore. Mais c'est pas vrai, on engraisse les cochons ici. Bernard, t'as vu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est qu'il me prend pour le début. Oui, alors, hier, ça fait on a essayé de faire fonctionner. Ouais. Ça va ? Vous allez tout voir. Ça va ? Les copains m'ont dit, viens-tu avec nous ? Alors, je suis arrivé mardi. Salut. Tu as nié la dame là ? Elle est partie. Elle a dit qu'elle allait réfléchir. Ouais, elle allait réfléchir. C'est la première fois que je vois ça ici. Ouais. Donc tu veux te monter un SDR alors ? Oui. Ouais. Je tombe dessus à toi, genre comme ça, c'est rare de voir du matériel. Ouais. Mais pour aller là-bas ? Oui, voilà. Bonjour, voilà, enchanté, Fredo, 33. Un petit jeu de cœur. Ah oui, il y a beaucoup de matériel là, Stan. J'aurais dû prendre mes lunettes de soleil là, j'ai mal aux yeux. Et dès l'ouverture, il y a déjà pas mal de matériel de partie. On le voit, les transactions là, les gens. Oui, et puis il y a pas mal de matériel de CB cette année. Hein. Ouais, là il y a J'y vais, je vais me régaler. Thank you.
C'est vrai. Non, non, je ne crois pas. C'est le gars qui les vend, c'est les prix. Non, le prix actuel, c'est ça. Ah, vous êtes de jolis postes. Hein. Ah oui. Non, moi j'en ai... Vous avez des militaires, alors vous avez... La coquille, je ne l'ai pas vue. Parce qu'habituellement, il se trouve mal avec la perche, lui, avec le caméscope. Non, je ne l'ai pas vu. D'après les infos, je ne suis pas sûr qu'il vienne. Si, il a mis hier soir. Ah, il a dit. Elle a changé d'avis. Ouais, ouais. Dans la soirée, hier soir, à 19h, il a dit sur la perche. Bon, on verra s'il a, si on voit un homme avec un chapeau sur la tête. Ouais. Oui. Un récepteur numérique, vous en avez pas vu. Un récepteur numérique. Les années 42. Ah, ils connaissaient le numérique à cette époque. Ah oui, oui, mais c'était un secret d'État. Ah oui, je vois. Et la boîte d'accord ? Eh bien, à l'Argus, radiomateur quoi ? Elle est à 175, 140. Ouais. Même 120 si vous voulez. Celles-là sont pas mal, j'ai eu quand j'avais mon 430. Et en plus, tu les connais pas. J'ai demandé mes producteurs. Salut, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai, toi. Donc cette année, on est de retour à Marraine. Hein. Oui, ah ça y est, ouais. Ouais, ouais. Et, ils sont inscrits sur le site ou pas encore pour réserver Alors normalement, il y a le président du REF17 qui est MMR. Ouais. Qui doit être. Ah oui, je vais être là. Oui, ouais, il doit être là aujourd'hui. Ouais. Thank you.
vous voyez un petit peu en extérieur là ce qu'il y a. Toujours l'équipe de poivrons là qu'on voit là dehors. Ah non, on fume, on voit pas. Mais Ben Fégor, lui, il est dans le décor. C'est pas là très clair. Oh putain, oui, non. C'est quoi ce que. T'en veux, t'en veux. Ça, c'est la bonne. On citera pas de nom. Hein. Alors, est-ce qu'il reste encore de la place dehors? Ah, ce côté-là, c'est plein. Ce côté-là, il y a du monde aussi. Allez, t'es, on va faire le tour un peu des véhicules. Clairac est bon. Essayer de retrouver quelques antennes, quelques véhicules connus. On sait jamais. Aussi, je te dis bonjour, oui, oui, c'est vrai. Tiens, salut. Bah justement, tout le monde te cherche. Bon, voilà. Bah moi aussi, je vous cherchais. On s'est planté, on est allé... quand tu mets Rick Hockey dans Google, il t'amène dans un truc de sport. Et tout. Tiens, et, droit devant, là-bas. Café, les cheveux, t'as la bête mobile. Ah. La voiture parc épique. Je vais aller voir. Elle est juste au bout à gauche et tu as Pascal avec, tu as Eric. Ouais. Là, ils sont... tu as Fredo aussi. Ah, bah, très bien. Voilà. Je fais un petit peu le tour des véhicules, là, pour un peu au niveau des antennes, et j'arrive. C'est quoi celui-là? Tiens, je te le prête. Oh, il est sur le 8. Hein. Ouais. Ok, t'as Daniel dessus. Je veux pas être vulgaire, mais t'appuies sur la pédale pour parler. Oula, là il y a du lourd. Alors, la petite là. Alors qu'on la voie bien, qu'on voie bien là. Et non, c'est pas la mienne celle-là. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. On est voir des copains. Thank you.
est-ce qu'il y en a qui vendent? Je vois ce que tu vends, toi. Je vois qu'il y en a, ils sont toujours actifs, là. Oui, faut pas se laisser abattre. Ah, vous allez travailler ensemble maintenant, oui? Non, non, mais on est potes. Ah oui? Tout simplement. Oui, oui, c'est sûr. Hein. J'essaie de voir ce que c'est comme en base dessus. Ah oui, d'accord, ok. Oh, elle existe aussi avec en base PL. Oh, ça, c'est le modèle qui est de tripode là, qui est très costaud là. Qu'est-ce qu'on a comme appareil là? Là, bah, c'est le nouveau portable de chez Thomson. Le tout nouveau qui vient de sortir, hein? De chez Thomson. Oh, oui. C'est du Thomson. Ah oui, je vois, c'est le modèle 2017. Ah oui, oui. Oh, oui. D'accord. Alors, il y a toutes les fréquences, il fait tous les opérateurs. Ouais. Et bon, c'est fabriqué par Thomson. C'est marqué là, d'ailleurs, là, sur le CFTH, compagnie française Thomson Houston. C'est fabriqué... J'aime bien ces nouvelles technologies. Oui. J'aime bien. Hein. Alors là, c'est les lampes, là. C'est beaucoup plus solide que les transistors. Hein. C'est inusable, et ça fonctionne en permanence. Ça, d'accord. Avec ça, quand on achète un truc comme ça, on n'a pas besoin de le changer au bout de 3 ans, on peut le garder pendant 20 ans. Ah ouais, d'accord. C'est des appareils qui pèsent combien, ça? Bon, c'est très léger, c'est tout en hydrogène solidifié, c'est très léger, ça fait 200 grammes. 200 grammes? Oui. Oui. Peut-être 300 ouais. Avec un zéro de plus. Avec un zéro de plus, oui. Et là, j'ai cru comprendre qu'il y avait une anecdote là, ici, là, au niveau de là. Le passage en émission permanente. Alors, il sert à quoi ce passage en émission permanente? Bah, normalement, il sert à rien. Je vais vous aider. Il sert à rien. On met comme ça, on remonte l'anneau qui sert à l'extraction des quartz. Hop. Ça, c'est comme la poule quand elle a pondu. Voilà. Voilà, on remet le quartz dedans. Et quand on a fini, on remet cette machine ici. On a la position émission, c'est ça. Ah, on bloque en position émission. Il bloque en position. Ah oui, là c'est émission permanente. Et comme ça, on cause toujours.
on n'écoute rien. Alors, cette fonction position permanente, elle sert à quoi exactement? Ah bah, à causer et à pas écouter. À causer. Oui, mais est-ce que cette fonction était utilisée par certains services, hein? Théoriquement, c'était formellement interdit de laisser le poste en émission permanente. Voilà, sauf Sauf les démineurs qui avaient le droit de s'en servir. Voilà, et je crois qu'il y a une anecdote. Le service de déminage qui était en émission permanente pour expliquer le travail qu'il faisait. Voilà. Pour éviter que les collègues qui se fassent sauter la cervelle quand on s'était fait sauter la note. Et comment on sait quand on a mal choisi le fil à couper? Ben les autres ils écoutent, quand ça fait boum, ça saute. D'accord. On explique la manipulation. On explique la manip qu'on est en train de faire. Oui, oui. On explique son travail, on le commente en direct. Et les autres, quand ils voient une grosse gerbe de poussière, un gros boom, ben, il ne fallait pas faire ça. Ah oui, il a fait le mauvais choix là. Le suivant fera l'autre chose. Oui. Bah oui. C'est un procédé par élimination. Ah bah oui, il est convaincant celui-là. Ah oui, ah oui. C'est comme les gars, quand ils ont commencé à faire des champignons, à manger des champignons, ah oui. Ils savaient pas, et il a fallu avoir des morts. Ah ben oui, après on sait ceux qui sont comestibles ou pas, quoi. Voilà, ils ont procédé par élimination également. Ah oui, oui. On parlera pas du choix des personnes, hein. Non. Non, non, on évitera. Pour les champignons, bon, c'est vieux maintenant, ça va pas loin, mais ouais. Bon, il y avait encore des gars qui ont été des mineurs après la guerre, qui sont encore vivants, et qui en ont échappé. Voilà. Okay. Alors là, il y a une admirable pile qui se fait ici, la micro-pile. Ah oui, c'est vos piles, hein. Ah, c'est une petite pile là, qui... Et ils avaient combien d'heures d'autonomie à peu près, ces appareils? 8 heures, on est en 8 à 10 heures en émission réception. 8 à 10 heures. Ça dépendait de l'émission qu'on faisait. Si on ne faisait pas beaucoup d'émissions, ça durait beaucoup plus longtemps. Évidemment, c'est l'émission qui consomme. Oui, ouais, bien sûr. Hein. Ok. Et en cas de recours, eh ben, ça peut servir de matraque. Ah bah oui. En cas de besoin, le dernier arme, c'est ça, on tape avec. Ah ouais. Ça soutient une conversation. Eh bien, je vous remercie pour ces explications. De rien. Je vous rends le nouveau modèle. Ouais. Parce que avec ça, quand on appelle maman, quand on est dans une grande surface et qu'on appelle sa femme, pour lui demander ce qu'il faut acheter, on a quand même une autre tronche qu'avec les petits trucs là, qui vendent. Ah bah oui. Plus qu'un bon marché qui nous vend là, une fortune. C'est comment se faire cette petite expédition en grande surface, quoi. Oui. Voilà. Allô chérie, les petits pois, les haricots, les super fins ou les extra fins? Je sors. Il est pas mal ça. Ça crame une autre gueule qu'autre chose que les autres. Tu sais que les Chinois ils font des petits buffins qui sont beaucoup moins encombrants et qui marchent très bien. Tiens, justement, voici un. La différence. Alors, si je comprends bien, celui-ci, c'est l'avant-dernier modèle de celui-ci. Voilà, c'était le modèle précédent. Ça. Voilà, celui-ci, c'est le modèle précédent. Ouais, voilà. Ça, c'est la dernière évolution. Ok. Ah, mais je vous crois. Tiens, Pascal. Je me servais du 13. T'as PP13. Voilà. T'as PP11, t'as PP13. Voilà, c'est ça. La génération d'après. Voilà. Parce que les TRPP-11 ont sorti à l'armée en 65, 66, quelque chose comme ça. Et il y a eu des modèles précédents, parce que moi j'ai un copain qui avait été en Algérie. Mm-hmm. Et puis je sais voir un truc comme ça. Bon, j'avais vu que tout là, il était à l'armée. Et puis un jour j'ai dit, il y a ceux-là aussi. Ah, ceux-là je les connais, ouais. J'ai eu à l'armée. Il n'a pas mis ça à l'armée en Algérie. Ouais. C'est terminé. Ça... Si. Mm-hmm. Oh non, c'était celui-là qui tournait. Alors, je me rappelle que non, et je sais pas, enfin, je m'en souviens plus trop bien, c'est que pour tourner les quartz, pour changer de quartz, il fallait tirer sur le bouton puis le tourner. Ouais, voilà, c'était tout. Alors ça s'invente pas. Oui, oui, bah, oui. Tu tirais sur le bouton pour le tourner, pour changer de chronal, et c'était donc que tu avais un TRPP-11. Et renseignement pris, c'était des prototypes que chez Thompson avait fait, avec des Méo. C'est moi, j'étais sur Aftrack, et du coup, on avait ça. PP-8, ouais. PP-11, voilà. PP-11, PP-13. Ouais. Alors quand il faut bricoler là-dedans, c'est joli. Les lampes, elles sont belles. Alors, il y a quelque temps, j'en cherchais des lampes partout, j'en pouvais pas. Et les accus, il y a une pile. Une pile ouais. La BA 270 ou 90 volts.
1,5 V pour le chauffage des lampes et 2 x 45 V et moins 4,5 V pour la polarisation. Parce que ça, c'est un truc qui était, c'était super ingénieux comme système de réglage de fréquence. C'était la réception qui réglait la fréquence émission. D'accord. Parce que quand on appuie là-dessus, on s'entend parler dedans. Oui, ça fait un retour. Ah oui. Mmh. Et ce retour, il est pas, c'est pas, ça sert à faire un moniteur de savoir que le truc fonctionne, mais ça sert également, si on est plus aigu ou plus grave, ça sert à corriger le discriminateur. Ça accorde la fréquence. D'accord. Donc, tu vois le système de retour d'un cottage là, sur ton 7009. Ouais. T'as vu ils n'ont rien inventé parce que déjà cet époxy ça existait déjà. Oui. Voilà. Alors t'es bien conseillé de dévisser ça d'un quart de tour avant. Sauf que la fonction n'est pas la même. Là c'est pour la fréquence. Toi c'est pour pouvoir entendre ta modulation. Enfin celui-là, même si on n'ouvre pas le joint. Ils ont gardé la réglette. Oui, ben oui, c'est ça qui m'intéresse aussi parce que j'en avais pas de ça. J'en ai, parce que des trucs comme ça, j'en ai d'autres à la maison. Mmh. J'en ai démonté et réparé plusieurs déjà. Mais alors, quand on bricole là-dedans, c'est. Ouais. Quand on enlève le couvercle là, on voit ce qu'il y a dedans. Mignon. C'est mignon comme ça. Ouais. Bon, ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai deux lampes. Deux PA. 3B4. Alors qu'est-ce que vous testez là? C'est un petit Luxen V898 poste coréen, okay. D-band. Et comment se passent les tests exactement là? Transmis 2 kg. On va regarder la propreté parce que c'est machin chinois, c'est pas toujours. Ouais, non, mais tout à fait. Comme quoi les Coréens, pas enfin, du chinois ou ils peuvent des fois faire du matériel. D'accord. Ah mais là par contre le montage c'est vrai que. Oui, oui. Bonjour. Oui, ça va. Bonjour. Donc ma nouvelle acquisition, oui. Pas de soucis. Thank you.